Du coup, ouais, bienvenue pour ce stream sur Domekeeper. Il y aura, la rediff sera toujours disponible sur YouTube, mais il y aura un best-of. J'ai 45 minutes, enfin là on voit 46 minutes de jeu sur Domekeeper. Mais, je ne sais pour quelle raison, mon jeu était en difficulté brutale. Ce qui fait que j'ai réussi à survivre 45 minutes en difficulté maximale. Et vraiment, la première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai vu le menu, je fais « Musique est cool ». Moi, je joue du coup à l'Elite 2, donc pour moi c'est Xbox. Et pour ce qui est du jeu en lui-même, bon, du coup, première chose que j'ai vu, on peut modder le jeu, ça c'est incroyable. Moi j'adore modder les jeux, j'adore bidouiller, moi je bidouille tout, moi je custom tout, évidemment. Et par défaut, du coup, le jeu nous propose ça. Dôme laser, du coup, notre arme qui est principale, c'est un laser. À notre classe ingénieur, en gadget, on a le bouclier. Choisissez votre mode de jeu, chasse à la relique. D'accord, oui, après c'est ça, ça me donne genre comme des points de compétence un peu. Ouais, je comprends pas, je devais être en difficulté brutale, hein, vraiment. En fait, je sais pas, j'ai dû voir le menu apparaître comme ça, j'ai cliqué sur brutal. Je me suis dit, oh, je suis quelqu'un de violent, j'ai lancé le jeu brutal. Pas compris. Je vais laisser les cinématiques. Voilà. Et voilà, et on est direct dans le vif du sujet. Voilà comment on se présente le jeu, de ce que j'ai compris. On a un dôme, on a un ordinateur, on peut combattre. Par défaut, le jeu, quand on a accès à l'ordinateur, il est sur pause. Et on a un arbre de compétences. C'est un peu une découverte, c'est pas vraiment une découverte, parce que j'ai déjà lancé une partie sur le jeu qui a duré 45 minutes où j'ai survécu en brutal. Là, normalement, je me suis pas trompé, normalement, le jeu, il est bien en difficulté normale. Et ça, ce jeu m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, on a un arbre de compétences. On va pouvoir protéger le dôme. Et ce que vous voyez, du coup, pour compléter justement les branches, il va nous falloir qu'on récupère des ressources dans le sol. On a du coup la solidité du dôme, on a la vitesse de notre personnage, on a la vitesse de notre foreuse, la puissance de notre laser, le bouclier, ça c'est la puissance du bouclier. Du coup, bah c'est parti, hein, direct dans le vif du sujet, bah on va l'éliminer. Hein. En vrai, ça m'a l'air vraiment très relax comme jeu. Apparemment ici il y a du minerai, ouais, parce qu'on a vu, j'ai vu un petit pixel. Ça je me souviens que dès qu'on voit un petit pixel, ça veut dire qu'il y a du minerai en dessous. On peut déjà améliorer la solidité et jauge de proximité indique le temps restant avant la première vague. Ça m'intéresse. Voilà, on va déjà améliorer la résistance. Ouais, c'est ça. Cool, on peut combattre. Et ils arrivent du côté gauche. Super. En vrai le jeu est incroyable. Ah oui, on a déjà tout ça dans notre inventaire, j'ai pas fait attention. Et on va améliorer notre foreuse. Et on va améliorer notre vitesse, ce qui fait qu'on se déplace plus vite dans les grottes. Ah, ça on n'avait pas encore eu. En vrai, il y a un effet étourdissant, j'aimerais bien mettre des points là-dedans. Oh yes, ah, j'ai pas encore eu ça. Je crois que c'est le cobalt et ça va pouvoir... C'est précieux comme ressource. Va falloir bien les utiliser. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ça meurt. Ah, super. Là on a une relique. Voilà, il nous propose plusieurs trucs. On a soit on peut gagner un canon automatique, soit on a un sale à laser qui vise automatiquement les petits monstres. Soit on a un canon, soit on a un laser. On peut mettre un canon je pense. Hein. Parce que les petits monstres on en aura au début, mais faut déjà voir à l'avenir en fait. Ah yes, du cobalt. Là vous pouvez voir du coup que en bas à gauche que là du coup avec le cobalt ça remplit la jauge de vie. Donc ma jauge de vie est déjà pleine. Mais vous ne voyez pas du coup tout à l'heure, mais oui la barre qui a tout à gauche, c'est le chrono en fait, c'est le temps que les ennemis vont mettre à réapparaître. Ah oui d'accord, maintenant on a un nouveau arbre de compétences, c'est pour notre canon. Ouais, bon ça c'est assez lourd. Donc on va augmenter la puissance de feu. Ouais quand même, ce serait peut-être temps. Bon bien, j'ai augmenté la puissance de mon laser. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? On est pas là pour se beurrer la biscotte, on est là pour trouver du minerai. Oh la miséricorde, oh va falloir que j'améliore la puissance de ma pioche. Oh ça je veux ça. Ça aussi je veux. Bon, il va falloir que j'améliore ma puissance de traction. Parce que là, je peux t'emballer que 3 trucs à chaque fois. Hein. Que ce soit bon, le canon ou le laser, vraiment, ils mettent 10 000 ans à se déplacer. Il va falloir que j'améliore ça aussi. Hein. Allez, force de traction. Hop là! Ah ouais! Et on se déplace quand même beaucoup plus vite alors que là, on en a 4. Hein. On est beau. Je pense qu'on va acheter. Ouais, solidité, c'est pas mal ça. Solidité, et je crois que. Ouais, plus tard, on aura réparation automatique. Le dôme se réparera automatiquement s'il est sur le point d'être détruit. On va lui mettre plus de santé. Voilà. Là on est bien. Ok, ah mais je vois du coup c'est quoi qui consomme le bouclier. J'avais pas vu la barre à gauche.
Donc là j'ai mon bouclier qui est mid en fait. Il se recharge petit à petit. Ok. Ok, ok, je commence à comprendre le jeu. Ok, le bouclier rechargé, voilà, ça on veut. T'as le temps que je mets à casser ça? Mais à l'aide en fait. Ok, et là je commence à prendre des dégâts parce que le bouclier est HS. Souffle électromagnétique. Ah ouais, pas mal. C'est pas encore assez violent à mon goût le souffle. Ah, c'est le bout de la map. D'accord. What? Oh! Oh, je suis ultrasonique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ok, c'est un one shot. C'est un truc temporaire. Oh, énorme. Oh, je suis ultra rapide. Oh là, c'est génial. Oh, je suis ultrasonique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouah, ça m'a déglingué mon bouclier d'un seul coup. Bon, on va réparer un peu parce que là, ça pique. Ah oui, il y avait ça, réparation automatique du bouclier. Pourquoi je l'ai pas mis? Personne me l'a rappelé dans le chat. Ouais, je me demande en fait ce qui se passe une fois qu'on a miné genre l'entièreté du monde. Oh ouais, oh ouais, oh yes. Est-ce que je peux tout porter? Ouais, non, là. Le jeu il se met à ramer. Attends, c'est quoi ça? Je viens de trouver un truc. Venez trouver une graine d'arbre minéral, elle se peut trouver un arbre. J'ai pas le temps de tout lire. Ouais, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au début je pensais que ça faisait partie du décor, mais non, c'est vraiment un objet que je peux récupérer. Combattre. Ouais, je vais combattre parce que là j'ai pas trop le choix. À moins que je claque mon souffle électromagnétique maintenant. Ah, je claque mon souffle électromagnétique maintenant. Comme ça les petites merdes elles meurent direct. Non, il est pas mort. Parce qu'en fait les mecs ils viennent de s'exploser sur mon pare-brise là. Les mecs qui font des pros à l'assurance là, c'est quoi ce bordel? C'est terroriste les monstres dans le jeu ou pas? Ça dépend le point de vue. Parce qu'en fait, je connais pas l'or de l'histoire. Parce qu'on a bien vu au début que genre... Bah non, du coup, t'étais pas là, mais... en fait, c'est le dôme, en fait, c'est nous qui le posons. Donc en fait, du coup, eux, ils sont chez eux. Enfin, je crois. Ah, ça dépend le point de vue. C'est de la colonisation. Ouais, je crois que c'est de 100% ça. Hein. Et nous, on aime la colonisation. Donc j'améliore ma vitesse aussi, parce que là, vraiment, j'en peux plus. On avance vraiment à de l'heure. Allez, vitesse de déplacement, j'en peux plus, j'en ai ras le cul. Est-ce qu'on va encore s'améliorer la foreuse? Oui. Arrête, tout à l'heure, vraiment, on n'avance pas, il faut améliorer la poreuse, il faut qu'on avance. Là, on a de nouveau un petit point de compétence, j'espère qu'on va avoir une dingue. Ah, c'est déjà en train de m'attaquer. Et moi, je vais prendre le, je pense, le radar de prospection. Oui, j'arrive, j'attaque, c'est bon, ils sont déjà en train de m'attaquer, les mecs. D'accord, bah, bien, bravo les mecs. Hein. Allez, pouvoir d'électromagnétisme. Yes. C'est pratique contre ces petites merdes, hein. Je crois que c'est ça. Ouais, oh ouais, oh ouais, ça marche. Oh, je suis en train de bander. Pour le jeu. On va se mettre quand même deux barres de réparation quand même. Bon, je vais améliorer la vitesse du bouclier, enfin la puissance du bouclier, parce que là... Ça picote. Oh, c'est pas cher ça. J'achète. T'as une idée de comment faire pour finir le jeu? Aucune. C'est vraiment la première fois que ma partie dure aussi longtemps. Je sais pas en fait si t'as une réelle fin. Parce que de ce que j'ai compris, tu vois, c'est un roguelike. Et en fait, à chaque fois, t'as une nouvelle partie qui se crée quand tu relances. Bon, tu peux reprendre une partie déjà entamée, bien sûr. Mais non, je sais pas. Bah, au pire, si j'arrive à finir la partie, let's go. Pour augmenter la puissance du bouclier, parce que les ennemis nous font quand même de plus en plus de dégâts. Et du coup, on va tanker de plus en plus avec le bouclier. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une bonne méta. C'est qu'est-ce que c'est que ces bêtes? Je crois que c'est eux. Ah, c'est ces bestioles là qui en fait. Ouah, ça a absorbé totalement le bouclier. Oh la vache! Ah, j'ai pris quéquette! Pas vous mentir, que là ça sent un peu la merde. Et pourtant, je me suis même pas chié dessus. Bien vu! Oh ouais! Oh ouais, mon copain! Ouais. Puis j'améliore ça. Et là, je peux. Ok. Ok, ok. Du coup, là, on a une mitrailleuse. Je sais pas. Et d'ailleurs, oui, je sais pas du coup si la partie est finissable en fait. Parce qu'en fait, on a une limite de monde. Et je sais pas si une fois qu'on a récupéré tous les minerais, est-ce que la partie se termine. Je suppose, mais je suis jamais allé jusqu'au bout. Donc, on va le découvrir. Ah, il y a un point de compétence là. Let's go. Oh, il est gros. Qu'est-ce que c'est? Bah ouais, mais là je peux rien faire là. Yes, son kiff. Oh, y'a un truc géant en fait, je viens de capter.
Mais oui, il y a un truc là. Parce que du coup, là ça j'ai récupéré, mais là il y a d'autres trucs là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai aucune idée de ce que c'est. D'accord, il y a plusieurs trucs à actionner. J'ai le trembler ça avec moi aussi. C'est bien, on récupère du cobalt, on va pouvoir réparer un peu le dôme. Parce qu'on est. C'est pas qu'on est dans la merde, mais c'est qu'on est dans la merde en fait. Oh non, il y a l'espèce de pieuvre là qui est descendu pour m'attaquer. En vrai, ceux-là font super mal. Tiens, t'as prendre le respect, ouais. Non. Stop. Et toujours plus. Ah, on prend un prix tarif, hein. C'est pas fini encore. Eh bah putain. Je vais améliorer ça, hein. Mais il est énervé le monsieur. Ouais. Ah, vous mangez tarif avec le bouclier, hein. Ah. Eh, c'est moi ou les petits monstres, ils sont plus gros qu'avant. Mais des fois on a des vagues, autant des fois on a rien. Trop bizarre le jeu. C'est complètement aléatoire. Des fois on a des vagues, genre je galère à m'en sortir. Autant des fois, il y a des gros et j'arrive à les tuer rapidement. Ah mais je suis à l'extrémité là, je suis au bout, hein, je suis au fond, hein. Don du passé. Relique. D'accord. Super Sonic. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est gigantesque. Ah. Est-ce que j'aurais pas déclenché un mode boss là par hasard? En mode genre je suis prêt mais je le suis pas du tout. Je crois que si, je crois que j'ai fait une connerie. Je serais pas en train de me faire éclater là. J'ai plus rien. Je peux plus survivre. J'ai plus en fait. Mais attendez, il s'est passé quoi là? J'ai pas suivi moi. J'ai pas compris ça. Il s'est passé quoi? Attendez Steam. Parce que j'ai eu un succès, c'était quoi? Récupérer le don du passé. Juste récupérer la relique. C'était précisé que ça allait activer un mode boss ou je crois pas. Bon. Combattre, hein. Va pas falloir bégayer, hein. Je viens d'envoyer une bombe nucléaire. Et votre dôme est sauvé. C'était la fin de la partie en fait. Ah oui, donc j'étais vraiment à ça de perdre. Parce que mon dôme était vraiment sur le point de mourir en fait. Ah ouais. Stylé de fou. Donc en fait c'était une relique. Et la relique elle servait à terminer le jeu. Ok. Donc il y a bien une fin. On peut terminer le jeu comme ça. D'accord, je capte. Le monstre refuge, je pense que je vais prendre ça. Ouais. Voilà. Et là, du coup, on peut avoir du coup le mode monstre refuge. Ok, je capte, ouais. Et ben, on fera ça pendant un prochain stream. Je pensais pas que j'allais réussir le jeu. Enfin, j'allais réussir à faire ma première run, on va dire. Parce que bon, la première, c'est juste par erreur que j'ai perdu, pour on va dire ça comme ça. Très sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé, chat. Moi, j'ai passé un très agréable moment sur le jeu. Et je risque d'y revenir plusieurs fois en stream. Voilà. Merci à tout le monde d'être passé. Voilà, j'en jouerai à Dome Keeper. C'est certain. Moi, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye.